Hey, je vous prends comme ça parce que je crois que vous avez l'habitude maintenant de me voir dans tous mes états. Il est 7h et je suis un soir. Oula, je suis à contre-jour et j'ai plein de choses à vous raconter. Plein, plein, plein. Surtout l'aventure dans laquelle je suis en train de m'embarquer. Alors, il y a. C'est le fouillis chez vous dans ma chambre. Et ouais. Il y a 2 semaines. Ouais, 2 semaines maintenant. J'ai eu, on va dire, un accident. Accident de la vie de tous les jours. Et j'ai perdu une dent. Ça va. Ça m'a bloqué. Je faisais plus de vidéos. Je faisais plus rien. Ça m'a complexé à un stade que vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, Agnès, complexé. J'ai repris les vidéos quand je me suis rendu compte que les gens prêtent attention qu'à ce que vous leur montrez. Et que si vous êtes faible, forcément, les gens verront votre faiblesse. Et certaines personnes mal intentionnées vont jouer avec. Bref, tout ça pour dire que j'ai eu un moment de faiblesse et je me suis dit que j'arrêtais les vidéos. Après, il y a eu mon boulot qui marchait plus très bien. En fait, c'est une boîte indépendante, donc ça dépend des ventes que l'on fait, ça dépend des contrats qu'on a, qu'on doit aller chercher. Et ça n'allait plus du tout, il y a eu plein de problèmes. Les gens ont commencé à quitter le boulot et tout. Et je me suis retrouvée toute seule à devoir gérer un patron qui n'est pas facile. Mais bon, that's life. Et je me suis dit que moi aussi je voulais pas rester dans ces conditions-là, surtout que ça fait 5 ans, ouais, 5 ans, et j'ai rien accompli dans ce boulot-là. Et je me suis dit que ça suffisait, quoi. Donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de boulot. J'ai plus de dents, j'ai grossi et je suis fatiguée. But anyway, mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de tout changer. J'ai déjà commencé, mais là c'est effectif. J'ai rendez-vous chez le dentiste ce matin, il est 7h là, on a rendez-vous vers 9h. Donc je vais chez le dentiste. J'ai du boulot à faire. Quand je dis du boulot, j'ai YouTube. J'ai un projet que j'étais en train de mettre en place qu'il faut que je rende au propre et que je commence à bosser dessus et à mettre en place. Parce que lui, je ne veux plus bosser pour qui que ce soit. J'ai ma façon de manger que je dois changer. Et je vais me remettre au sport. Bref, je recommence une toute nouvelle aventure. J'espère que vous êtes prêts à m'accompagner. Et on va voir comment ça va se passer parce que là, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai peur du changement. Je déteste quand les choses changent. J'aime bien être dans ma routine et tout ça. Et c'est pour ça que j'avance pas beaucoup. Alors que là, je suis arrivée à un stade où je suis obligée d'emprunter un chemin de changement. Et dans tous les sens, hein. Dans tous les sens. Donc, on va commencer, on va voir hein, comment ça va se passer. Mais la première étape, c'est le dentiste et on va y aller ensemble. Okay.
Rien que le fait d'en parler comme ça, j'ai l'impression d'avoir déjà accompli la moitié du truc. Mais on va voir. Ok, peace. Day one de tous les changements qu'il va y avoir. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que j'ai rangé mon armoire. Ce que vous n'avez pas suivi, c'est que j'ai déplacé mon lit. En fait, mon lit, il était comme ça et maintenant je l'ai mis face à la fenêtre. Montrer. Mon lit, il était de l'autre côté et là maintenant il est de ce côté et il donne face à la porte en fait. Pourquoi? Parce que en ce moment je suis en train de tout changer. J'ai emmagasiné trop de mauvaises vibes ces temps-ci et je suis en train de tout faire pour nettoyer tout ça. Donc, j'ai déplacé mon lit. Bon, vous avez déjà vu l'armoire. Je suis en train de faire des imprimés parce que j'ai mis mes goals ici. J'ai mis des trucs que j'ai envie de faire. Mais j'ai envie d'avoir un truc bien présenté avec des dessins, des images et tout ça. J'ai vraiment envie de changer un tout petit peu. Un tout petit peu, je veux changer de vie. J'aime pas du tout là où je suis en ce moment, là où je suis, ma situation en ce moment, et j'ai envie de changer tout ça. Donc voilà, j'ai deux trois nouvelles à vous annoncer, mais ce sera pas sur ce vlog, ce sera sur d'autres vlogs. C'est pour ça que je reprends les vlogs, parce que je me dis j'ai toujours partagé plein de choses avec vous et ce serait important de vous montrer cette partie là parce que même dans les vidéos how-to qui vont arriver, c'est très lié, très 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 lié. Bon, je vous montre quand même mon maquillage du jour. Et j'ai mis un jean, ça c'est un haut en fait, c'est pas un body, c'est un haut et je suis pieds nus, normal. J'ai deux choses à faire aujourd'hui. Après, je vais au salon de Margot, je vais m'asseoir et on va planer un peu là-bas. That's it. Donc, vous avez vu Kylie? Elle est là à l'intérieur. Really? On dirait un petit bébé. Donc je vous reprends tout à l'heure quand on va commencer à bouger, aller régler deux, trois petits problèmes. Pour l'instant, je vais voir faire une photo pour ma page Instagram, ma page Facebook. Et yeah. Peace. Je suis pas sûre que ce soit la bonne position pour bosser, mais bon. Avec mon gros ventre. Yes! Voilà pourquoi j'aime pas rester à la maison. Au lieu de travailler, j'étais affalée ici à côté de Kylie en train de regarder des vidéos. Donc il y a un des projets où je dois me concentrer. Un des projets où je dois me concentrer. Sur lequel je dois me concentrer, donc je dois trouver un cahier que je vais utiliser pour ce projet là. J'ai plein de cahiers que j'ai commencé mais que j'ai pas, que j'utilise pas beaucoup. Je vais utiliser celui là parce que je l'aime bien et en fait dessus je vais écrire ce qui va être fait dans ce projet. J'hésite, est-ce que je vais dans le salon en bas ou je reste là? J'ai envie d'aller au salon, donc je vais le prendre lui. Pas envie de. J'ai vraiment pas envie de remonter. Après.
Je pense que je vais prendre toutes mes affaires, descendre et bosser d'en bas. Ensuite, revenir. Revenir et ensuite aller au salon, quoi. Donc, j'ai pas envie de remonter. Je vais partir avec tout ce qu'il me faut et. Non. J'hésite vraiment, j'hésite. Ok, je prends tout. Mon stylo. Thank you.